Frères et sœurs, où que nous soyons, ici dans la crypte ou en communion par l'entremise de la télévision et de l'Internet, bienvenue en cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Chers pèlerins, en ce samedi 25 mai, laissons-nous accueillir par Dieu qui nous convie au banquet de sa parole et à celui de l'Eucharistie. Préparons-nous à vivre ce moment de grâce avec lui, dans la foi, l'espérance et l'amour. Ouvrons-nous maintenant à sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse part de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La messe est offerte pour le repos de l'âme de M. Yvon Leclerc. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière.
le Seigneur dans l'allégresse, je les habille avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, sont tout beau. Oui, le Seigneur est beau, éternel est son amour. Sœurs et frères, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. » Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en Jésus, Dieu qui nous transcende, s'est fait le plus proche de nous pour nous sauver, à vivre et nous apprendre à vivre plus humainement dans l'amour. Jésus, en venant en notre monde, a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et a enseigné ses valeurs. De plus, il a posé des actes concrets d'amour pour confirmer que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Des boiteux marchent, des aveugles ont recouvré la vue, des personnes possédées ont été libérées, beaucoup de malades ont été guéris, des pécheurs ont été pardonnés, pour ne citer que ces cas-là. La bonne nouvelle du royaume de Dieu nous dit que Dieu nous aime et nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui, il nous aime. Et notre Dieu ne prend pas plaisir à nos souffrances et à nos malheurs. Il chemine avec nous sans se faire imposer pour nous offrir son amour, son pardon, sa paix et le salut. Mais Jésus et son message bonne nouvelle n'ont pas été accueillis par tous. Jésus dérangeait des gens et leur mentalité d'exclusion, d'indifférence, d'orgueil,
de haine, etc. Pour cela, il a été persécuté et assassiné. Mais par sa mort et sa résurrection, il apporte le salut à l'humanité entière. Son message, bonne nouvelle, continue d'être annoncé pour nourrir et sauver tous les hommes et toutes les femmes, et ceci sans exclusion. La bonne nouvelle et les gens qui l'accueillent dérangent aussi dans le monde d'aujourd'hui. Ceux et celles qui l'annoncent et l'accueillent sont aussi persécutés à plusieurs endroits de notre planète, et ceci même dans les familles. Jésus a prévu ces situations. Il nous en parle dans cet évangile que nous venons d'entendre. Il le fait non pas pour nous faire peur, mais pour nous inviter à demeurer dans la foi, l'espérance et l'amour en vivant les valeurs du royaume. Il nous met en garde contre les fausses valeurs du monde et de ses manières de penser, de l'amour de l'argent et du pouvoir au détriment des autres, de la cupidité, de l'égoïsme et la suffisance qui rongent nos familles et notre société. Quand des situations nous dépassent, pensons d'abord à Jésus qui a accepté les difficultés, qui nous a invités à prendre notre croix à sa suite. Pensons aussi à Saint Frère André qui nous dit « On ne doit pas prier pour éloigner les épreuves, mais pour mieux les supporter. » Il nous dit aussi « Tout ce qui en vaut la peine doit être payé cher. Quand il y a des épreuves, c'est signe de succès. Et il y a toujours une réserve de grâce extraordinaire qui attend une épreuve bien supportée. » Pensons aussi à Marie, notre Sainte Mère, à qui ce mois de mai est dédié. Quand des situations la dépassaient, elle méditait tout cela dans son cœur, s'ouvrant ainsi à l'Esprit-Saint pour vivre les moments difficiles et incompréhensibles dans la foi. Approchons-nous des sacrements. Puisons notre force en Dieu et en ses sacrements pour sa plus grande gloire, le salut de nos familles et de notre terre. Amen. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et de couvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas et Alain, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix.
Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, et de tous les saints et saints du ciel autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et les femmes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, au Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et par la même foi, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et nous délivrent pour la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ce que tu as sauvé. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous apprend aujourd'hui que la souffrance, la persécution, le mal n'ont pas le dernier mot. L'amour est le plus fort, Dieu est le plus grand. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne journée.